t'enchaînes beaucoup de dates sur plusieurs jours, ça peut être un peu éreintant. Mais en soi, c'est une vie qu'on aime bien. Plus j'enchaîne les concerts, en vrai, plus je vais kiffer, même si c'est fatigant, corporellement parlant. En vrai, ce qui compte, c'est le mouvement. Heureusement, il y a ça qui me fait bouger en plus des vacances, tu vois. Et puis ça peut me ramener n'importe où, les concerts, ça qui est cool aussi. Aga. Moi, je partirai vers les démons, les anges. Si de... Bonjour. Hola. Salut. Yo, ça va quoi? Salut. Tranquille. Juste là-bas. Ah, tu t'es venu nous chercher là? Ouais, c'est ça. J'ai vendu la mort, j'ai vendu la drogue, des médicaments. Demande à mon nom, oh, c'était la merde, mais fallait le faire. J'ai aussi, mais j'ai plus deux fois. Deux fois. La dernière fois, c'était le pisse. Je t'ai fait comme ça, tu vois celui que je préfère, la taille. Ryan, il a dit que je prendrais la rose. Je pense en vrai, je sais pas. J'ai pas en placement là, je sais pas. Au du bras gauche. Là? Ouais. Ouais, mais là, je veux faire d'autres planètes un peu. Pas bloqué par le thème, mais tu vois, j'ai une fusée. Ça va en vrai, finalement, pas tant que ça, mais j'avoue, Pokémon un peu. Pour les jambes, j'ai vite fait, j'ai. Si j'ai commencé mais j'ai pas fini. J'ai commencé en Shigaraki là. Ok. Là j'avais fait Dio là, mais il manque tout ce qui est au remplissage un peu. Ma page de vilain quoi. Okay, moi aussi je veux savoir un truc. Le madame, tu fais le sentir officiellement ou pas? De quoi? Pourquoi veux-tu me voir? Mais que veux-tu de moi? Ne m'appelle plus le soir pour faire ton cinéma. J'ai dit impunément que le minimum. Bébé dans tous les cas, j'ai déjà tu veux quoi? Ça va sortir genre? Ouais. Franchement, je pense pas. Hein. Ah, si. Bah, il est sur YouTube déjà. Hein. Mais tu vois, si jamais sur les plateformes maintenant, en vrai, ça date. Pas dans la chronologie, mais je me dis, si un jour. J'ai pensé à des moments à faire des trucs en mode tu sors et tout est unreleased, tu sais. Je sors comme ça, tu sais, en. Sous format maquette, tu sais, comme ils sont, genre. Mais ouais, non, intéressante question, mais je connais. Hein. C'est marrant le concept, surtout pour madame. C'est une chaîne avec rien. Et on dit rien, on fait rien. Tu vois, juste tu poses le son. Mais ouais, je sais qu'en vrai, je m'attendais pas à ce que les gens ils se le prennent autant. T'as essayé d'être vu? Non, j'ai pas envie d'être vu et reconnu. Là. Ah oui, mais j'ai vu une vidéo où on te voit en mode caché. Là. Ça fait partie du jeu, non? Ça va en vrai. Déjà, de base, j'étais assez cramé. Ça changeait pas grand chose qu'ils sont en plus, disons, tu vois. Je me fais pas emmerder tous les jours partout où je vais, tu vois ce que je veux dire. Quand j'étais à République, c'était un peu chaud. Mais parce qu'ils savaient les gens où on était. Ouais, il y avait des gens devant chez nous et tout, le matin et tout, c'était bizarre tous les jours. Ouais, vous êtes à République, c'est... Ça venait traîner, on exposait. C'était un peu. À ce moment-là, c'était un peu chaud, tu vois. Sans, on pensait pas à se dire, ouais, tu vas faire du son masqué. Toi, si tu faisais du son, tu te serais masqué là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis venu pour faire du son. T'as tout fait, là. Bah en vrai moi je trouvais l'avoir assez laissé supposer au cours des sons que j'ai sortis depuis toujours tu vois. Je me suis rendu compte par exemple quand j'ai sorti la Dark que le timing était assez serré entre l'album qui a mis presque 2 ans à sortir avec le Covid et tout et la Dark qui était des sons tout frais de quelques mois tu vois. Du coup pour moi c'était tranquille, j'avais fini l'album sur Ye, j'étais en mode vas-y c'est bon. C'est annonciateur de entre guillemets encore plus assumer tout ce côté tu sais. Des retours. Forcément, je me dis, ouais, c'est sûr, après, il y a des petits qui ont dû se dire, ah, moi, j'accroche pas au délire, tu vois. Parce que tu connais, c'est des questions aussi de phase, de période et tout. En ensemble, c'était quand même risqué, tu vois. Il y avait quand même ce truc où je peux pas être sûr à 100% que les gens ils vont kiffer, tu vois. Moi, je trouve ça cool d'un côté, du coup, d'avoir une proposition. Surprenante ou différente dans la musique. J'arrive pas à faire du son si je fais toujours la même chose. Si je vais sortir un truc et qu'il y a déjà 15 gars, ils le font ici, ça me planer et puis même c'est pas stimulant, donc je préfère chercher des merdes. Dans le noir, je parle à mon autre moi. As-tu déjà pensé à comprendre ce monde autrement? J'aurais la flemme de bosser dans le van là comme ça, dans le minibus là. Et t'as vu, t'as une idée de ouf, tu pourras pas la pousser à 100%. Tu vas être restreint, dans tous les cas il y aura du bruit. Tu vas jamais faire de prise définitive et tout. Je t'avoue que quand je suis au sud, je vois pas avec qui vraiment je vais bosser ici. Ouais, il y a des trucs qui pourraient être intéressants et tout, certainement, mais... Là, je me vois quitter, je sais pas,
des trucs qui me font gaulerie, tu vois, comme je disais avant, des Mylène Farmer, des, tu vois, parce que c'est pas marrant. Tu sais, l'expérience, genre, je sais pas, un Julien Doré, frère, je pourrais voir comment il bosse au studio. Tu vois, limite, c'est plus ça, l'expérience d'un ancien, tu sais, quelqu'un de... qui a su faire les choses dans son milieu. Un autre monde à découvrir, on a vu un peu les délires des radios du rap. On découvre l'autre monde, tu vois. Ça qui est cool aussi. Et voilà peut-être aussi pourquoi j'ai pas envie de stagner dans un truc. Sinon, tu t'enfermes dans des schémas. Tu veux voir toujours les mêmes médias, les mêmes trucs. C'est les mêmes sons, on peut avoir les mêmes processus. J'ai les Red Hot, Evanescence, tout ça, bah Linkin Park, tout ça, frère, ouais. C'était à cause des années de Naruto. Naruto Sasuke, c'est ma période 6ème, 5ème. Je découvre les scans en même temps. Écoute, la période, c'est AMV d'Opus, pour le dire comme ça. Ouais. J'ai eu exactement la même période. Mais bon, on est beaucoup, hein. Vraiment, mais bon, on est vraiment beaucoup. On est une vraie commu. Avant, les gens, ils faisaient semblant, en plus, ils se cachaient. Bien joué, LOL. LOL, c'est pas bon pour la santé mentale. Ouais. Je veux pas, LOL. Si vous dit à peine de saigne, y'a trop d'écart, c'est sûr, je le sais. Je suis pas dans les mêmes dossiers, je fais trop de dégâts, je suis sûr de le faire. Je me refais avec des si je fais plus. Là, on va au Valence, hein. On va à la salle, tu connais. Faire les tests de son, tout ça. On est bien tout à côté à Pâtes. Ok, let's go. Tu peux muter les gens, Baisse les gens fort, des gens. Je viens d'avoir une bonne nouvelle. J'ai du fromage dans les loges. Je me sens dans un film. Un mauvais film à la télé. Bon, tu connais comme d'hab, faut venir voir c'est comment le son. Comment il rentre dans mon cerveau. Peut-être qu'il y a un bug ou quoi. Ouais, d'une des bugs, t'es obligé de vérifier. Et en plus, on joue sur une grande scène. Les batteries vont être loin. Tu vas les entendre d'une façon. Là, c'est un peu serré. Ça veut dire, prends tout le bruit dans la gueule. Quand ça va être quand il y aura les gens aussi. C'est toujours ça le piège aussi. Rajoute un bruit en plus. Un peu plus dur de se repérer encore plus. Tu vois, pas longtemps, bon, on fait les balances tranquilles. Après, pendant le concert, il commence. Il y a une enceinte, elle a brûlé. Et ça, tu peux pas prévoir, tu vois. Tu sais, t'adapter dans tout ça. T'adaptes, en plus, faut pas trop que les gens y voient. Faut pas qu'ils crament que t'es devant la merde, tu vois. Mais c'est dur, hein, des fois, ça se voyait, hein. Une fois, j'avais le seum. Est-ce que les sons là que t'as fait, quand tu les faisais, tu t'es voué ça en live, ça va être une dinguerie ou... Non, ça dépend du son. Ouais, je calcule pas ça. Hein. Mais bien sûr, après, si j'en fais un et que je me le dis, je vais me dire après, ah ouais, lui, là, j'ai plein de sons. Ouais. Là, je les ai pas mis au balance parce qu'on avait pas le temps, mais la semaine dernière, tu vois, je les mets avant. Juste pour l'entendre dans la salle, me dire ah ouais, mais dans 6 mois là, ou un an, ah, quand tu vois. Je suis pressé, Sarah, si tu connais. Il y a quoi là-dedans? Trépied, je crois. Il y a quoi d'autre? Le stabilisateur. Stabilisateur. Ah ouais. Ah, c'est ça, mon gars, World Mag, hein. Voilà. Le matos est là. C'est nous, on le porte. Ça y est. Oh, je suis jamais plus prêt. Non, mais c'est trop.
était absolument incroyable. Le caméraman est incroyable, magnifique. Ouais. L'ambiance est incroyable. Le chant est incroyable. L'illumination est incroyable. Tout est incroyable. C'était masterclass, c'est le mot pour partir. C'est incroyable. Ouais, franchement, non, bonne ambiance, bon délire. Puis on était bien proches, tu vois. C'est cool les salles comme ça dans les villes de ce genre, tu sais, capacité genre 300, 400 personnes. C'est, il y a une bonne proximité avec les gens et t'as quand même l'effet de. Il y a du monde qui crie, tu vois. Bah, le premier, c'est le Je Découvre. Et aujourd'hui, j'apprends. Tu vois, ouais, c'est quand même différent. On teste toujours un peu des trucs, on va dire, entre guillemets, à chaque concert. Mais ces trucs d'organisation, de mise en scène, tu vois, des trucs comme ça, en vrai, c'est plus comme avant où j'allais pouvoir... j'allais faire un concert, je mettais 2-3 exclus, tu vois. Ah, j'étais là sur YouTube, après, il y avait 10 vidéos. C'est plus trop comme ça, entre guillemets, mais ouais, on teste des choses, tu vois. J'attends le Stade de France, tu vois, ouais. Bah, c'est pas le truc ultime. Ouais, en France, un peu, tu vois. Je crois, en tout cas. Je sais pas c'est quoi la capacité, mais entre guillemets, c'est... Ouais, c'est prestigieux. Et je me dis, si je vise un Stade de France, je gratterais peut-être un Zénith. Tu vois. Même principe, hein. Je vise un milliard, comme ça, je fais au moins 1 million. Bah là, t'as capté, hein, je vise le Stade de France. Comme ça, j'aurai au moins un Zénith, Olympia, les conneries, là. Je connais un World Mag. Les seuls 100. Merci. Aga.